En vrai, je suis pas occupé jusqu'à vendredi soir. Vendredi soir, je joue au jeu de plateau. Mais sinon, je suis full dispo jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on sort comme compo? Écoutez, là, on découvre, ça vient de sortir et il y aura la vidéo des compos à midi. Pour l'instant, TF Nico, ça a l'air de bien marcher. Voilà. Mais ouais, non, je pense que rentrer Lux en early. Quel jeu de plateau? Moi, bah, je sais pas encore, hein. On en a beaucoup au bureau. Je ne sais pas. Peut-être que la dernière fois que j'ai joué à Sith et à Seven Wonders avec l'extension des bateaux. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Oh, j'ai le statique du vilain TF1. Quel Time Stories? Non. La game Merco. Bah, tout bon, y a Vayne qui arrive. Vayne, putain, Vaille. Terrible. J'ai la flemme de me commit sur un. Après, bon, en vrai, Egid, l'avantage au moins c'est que ça donne vaille et que t'es pas trop commit au moins. Vas-y. Le métal est plus solide que la chair. Nothing at all. Je slame quand même mon statique, ok. Si on gagne, c'est pas grave, et l'idée c'est de faire des good loss. On va voir. Dire que le vendredi c'est la société dans ta boîte, quand c'est d'un vienne, c'est apéro. J'avoue que le moins 8 il pique là quand même. Hein. Bon, c'est le prix à payer quand tu rentres underground, quoi, je veux dire. Que j'aurais pu racheter les Kayle sur. Après, non, parce que l'idée c'est de pas jouer duelliste de toute façon. Salut, Ibrej. Donc en vrai, ouais, Kayle va garder le statique jusqu'à ce qu'on ait TF, je pense en vrai. Et on la re-rentrera pas derrière en fait. Ça me va. Du-du-du-du. C'est pas trop fort. Ce qu'il expliquait, c'est que là on préfère gagner que perdre. Je pense que c'est du bonus. C'est du bonus underground de là en vrai pour moi. J'ai pas envie de vendre Annie. Parce qu'elle va rester dans ma compo. Surtout qu'elle va être très bien quand j'aurai Fiora en plus. Bon, ah, je vais quand même pré-push. Comme ça on pourra rentrer Plank. Le gros gant planque. Je En vrai, si on gagne, c'est mieux. Mais si on perd, c'est pas catastrophique. Il a quoi? Ah, il a. Laser Corps.
En vrai, on va faire une goodloss là. Hein. Bon, c'est juste que pour la série, c'est pas. Ah, j'ai pas tué H, fuck. C'est pas aujourd'hui le nouveau set. Non, non, c'est demain, mec. C'est demain. C'est demain. Moi, j'ai rien à faire, Ginzo, comme tout à l'heure, et. Pistolam, Spellcrit GS. Donc, en vrai, tout ce qui donne baguette est pas mal. En théorie, il me faudrait deux baguettes, je pense, quoi qu'il arrive, donc bon. Lis le titre, et regarde l'écran aussi, hein. Il y avait quand même un gros Lucien dans le shop. Je vais en vaille au pire si je. Parce qu'en vrai, on pourrait ne pas rentrer GP et s'affaiblir en entrant Annie. Mais être sûr d'avoir les golds au moins. Vas-y, fuck. Il peut penser que tu joues sur le PBE. J'entends. Mais comme il pensait que c'était. Enfin, je vois pas ce qu'il lui fait dire que je joue sur le PBE, tu vois. Et. Blague à part, c'est pas grave, hein, évidemment, mais. On essaye de comprendre, tu vois. Le mec sait que ça sort aujourd'hui parce qu'il dit que c'est pas aujourd'hui le nouveau set. Sous-entendu, c'est pas aujourd'hui normalement, tu vois. Qu'est-ce qui lui ferait dire que c'est le PBE, tu vois? Sans compter le titre, évidemment, bien sûr. Non, mais sans compter le titre, on peut partir du principe qu'il a pas lu le titre, ça je peux comprendre, ça, tu vois. Ça je peux comprendre qu'il ait pas lu le titre, tu vois, ça à la rigueur. Moi je lis jamais le titre quand je vais sur un stream. Mais par contre, qu'est-ce qui lui fait dire que c'est pas le PBE? Que c'est pas le live? Je ne sais pas. Mais cela dit, c'est pas une question très importante, mais comme vous posez la question. Je me fais le porte-parole du chat, les amis. Bon, on reste, hein. Continue le braquage. On va faire une 2, je pense. Century 5. No, bro. Nada. Je sais pas, j'ai vu tous les champs sur ton board, c'était pas les nouveaux, donc je crois que c'était l'ancien set. Bah voilà, on a la réponse. Mais il y avait Lucian dans le shop, cela dit. C'est un nouveau. Le mec est déjà Nico quand même en face, hein. Et en plus, il nique ma loustrick. Bon, du coup, je vais faire 20 gold, fuck. 3, c'est-à-dire qu'il faut faire encore. Ouais, ok. Là, il faudrait qu'on rentre Fiora aussi. Ça. Elle va bien nous renforcer parce qu'elle va rentrer 2 synergies d'un coup, Fiora. Faudrait qu'on la loot. 29, 20s, Century Fox. On fait pas une 3, on est d'accord, c'est une 2 là. C'est une 2 max le chat, non, celle-là. Je sais pas. C'est compliqué de faire plus que 2 quand t'as pas commencé par 5 défaites en vrai. Je trouve. Après, je sais que vous voulez toujours me pousser à la perf en vrai. Hein. Je sais que vous voulez me pousser à performer le chat. Cela veut Ezreal. Oui, c'est vrai qu'après tout. Après, en même temps, si j'ai pile 30 gold. C'est bon, je peux. Century Fox. Mais oui, cela est mieux, tu as raison. Même beaucoup mieux en vrai. Spellcrit ? Après, Ginzo est prioritaire, non ? Peut-être Hoj, ouais, je sais pas. Annie, très bien. Ça, c'est très bien. C'est vrai que Ginzo, quand on joue en 2 duelistes sur TF, c'est vraiment bien. Mais Hoj est pas mal aussi dans l'absolu. Bon, on tempo un peu. Allez, on tempo. Partons du principe qu'on a un peu le temps. Qu'on a plus de thunes que la partie d'avant, mine de rien. Et que en plus, les amis, cette fois-ci nous avons Underground. Faut pas griller 2, c'est bien. Faut aller jusqu'à 4 pour que ce soit intéressant. Pire commentaire. Après, j'ai une ceinture aussi en vrai. Non, mais peut-être qu'il faut slam. Moi, on peut pas garder 4 items non slam, c'est pas possible. On va attendre de voir l'augmente et on va slam d'une manière ou d'une autre en vrai.
J'ai oublié qu'il y avait la ceinture aussi, tu vois. Tu vois, t'as vu. Bon, c'est cool de gagner en vrai. Idéalement, on gagne encore une fois ou on perd une fois, on fait victoire défaite, ça nous fait 10 comme ça. On verra. Bon, j'aime bien le sac de compo. Même si l'image de combat peut être très bien avec notre compo. Je vais prendre le sac. Voilà, des solutions. Quelles sont bonnes. Je veux bien un ou deux rôles en fait afin de trouver Fiora. Ça peut être un perso chiant à trouver éventuellement. Voilà. Ok. Alors moi je suis pas contre balancer un blue buff sur Nico. Donc est-ce que je balance blue buff sur Sona? Shojin est mieux mais bon. Comme ça on garde le spell crit pour l'autre. Allez, c'est parti. Allez, ça part de là. Adaption c'est fort, non? C'est un bon item. Mais voilà, ça peut pas être à l'ordre du jour pour l'instant. Bah on est pas mal, je vais vous dire là. Tu vois, si je gagne mes deux prochains fights. Bah après, bon, ma vaille est 1. Mais voilà, le temps de mettre Sunfire sur les adversaires, c'est pas mal. Là, on s'est bien renforcé parce qu'on a rentré Oxforce, on a rentré Duelist sur Kayle qui a Ginzo statique, donc qui va faire beaucoup de dégâts via la Ginzo, notamment. Donc c'est très intéressant. Si on fait que gagner jusqu'au deuxième Kashin, peut-être. Non, je pense qu'on partira. Par contre, on va pas faire Annie 3, non? Non, parce qu'on va avancer trop vite dans les levels, je pense que ça vaut pas le coup, malheureusement. Alors quoi, là, maîtriser son économie c'est important quoi. Ah, meilleure musique celle-là. C'est 8.5 au TPTF, comme au 7.1. Moi au 7.1 j'étais un fier au TPTF les amis. Je rappelle que pour l'instant on a fait deux bottoms et un top 1, donc si on fait un autre top 1 on sera content, sinon moyen content quand même. Oh le Yezio, bon, en même temps on a fait notre deuxième défaite, je pense qu'on peut cash là je pense du coup hein. Certains objets ont changé ou pas du tout? Je crois pas qu'il y ait eu des changements d'objets. Bon, je suis mal placé, mais c'est baguette si on peut quoi. Ta-da-da-da. Ta-da. Non, Viego, c'est un. Enfin, Viego est bien. Je rappelle que maintenant il lâche les items donc il faut réfléchir au perso et à l'item. Mais Viego est très bien parce qu'il rentre dans notre compo. Et ceinture peut être tout à fait acceptable comme, comme item. Évidemment. Nanana. Je manquais grave de dégâts la partie d'avant. Girlfriend. She's the only one I want. Oh, j'ai Alistar, trop bien. Wouah, jamais je cachine ça, si. Bon, après, il y a un reforge, mais bon. Ah non, ça dégoûte en vrai. Ah, je continue. Ça dégoûte en vrai. Je refuse de céder à la barbarie. Nanana. Je refuse de céder à la barbarie. J'ai toujours été opposé à la barbarie, le chat. Je tiens à vous le dire. Bon, on va chercher un autre cache en vrai. C'était cool. Voilà. Aurox et Aegis. Aurox et Oxford. Aegis c'est Aegide. C'est transparent en vrai. Enfin, pour Aegide, Aegis ça va. Aurox, Oxford aussi, mais bon, moi quand même. Bon, en vrai, si on fait 5, si on fait encore 4 victoires d'affilée, moi je signe. Le 49-3, les Underground. Ouais, moi je pense que le perso le plus Macron compatible de TFT. Ah, je sais pas. Moi je pense que c'est. Moi je pense que c'est Annie. Annie, je la vois bien monter à la tribune de l'Assemblée pour défendre. Pour défendre la réforme, quoi, tu vois. Moi je pense que c'est Annie. Annie, c'est giga Macron compatible. Tu vas faire du Marvel Snap aujourd'hui? Ah non, mon cher Alba, il n'y aura pas de Marvel Snap le jour de la sortie du nouveau set de TFT. Tu.
Ah non, mais j'avoue, c'est Anne Hidalgo, putain, je suis con, c'est vrai. C'est l'âne, l'âne Hidalgo. Non, non, j'avoue, ça peut pas être ça en fait. My bad. My bad. Mauvaise analyse politique de ma part, désolé. On m'y reprendra plus. Allez, la team. Warwick, c'est le RN. Non, Warwick Hacker, c'est le RN. Ok, Warwick, c'est plus... il a plutôt la gueule à être Mélenchon, quoi, tu vois. C'est un petit excité comme ça qui tape là. Ah, il allait peut-être être Mélenchon plutôt. Annie égale Greta Thunberg. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai battu le mec qui était à 100 HP. Donc, feels good en vrai. Pff, très bien. Nunu! Ça va le Nunu, non? Comment tu vois une si belle moustache? Elle est dégueulasse, ma moustache. Mais merci, merci. Je prends. Je prends les compliments, moi. Non, mais Nunu peut rentrer, mais au level 9 éventuellement, tu vois. Parce que là, ma compo elle est déjà banalisée, moi, jusqu'au 8. Hein. Donc en vrai, je vais pas me taper un Nunu sur le côté qui va attendre jusqu'au level 9. Hein, donc, qui sa mère, Bruno Le Maire, quoi. Tu me serviras dans la mort. Ah, ça va être si long encore. Après, non, mais idéalement, faudrait qu'on fasse deux défaites. Hein. Genre, si on fait deux défaites sur les 3 prochains fights, comme ça on cache in. Et on rend le 8 et basta. Elle est très bien cette moustache, c'est vrai? Bon bah ça fait plaisir alors. Ah ouais, en vrai elle est surtout la résultante d'une flemme de se raser. Mais bon. Tu vas passer là pour la BC2. J'hésite parce qu'elle reste pas dans la compo. J'ai envie de la vendre dès que je trouve Nico. Plus, elle me coûte 1 gold là. C'est un compliment. Ah, mais c'est comme ça que je l'avais pris. Du coup, je vais pas l'acheter. Voilà. Mais pour une question de cupidité avant tout. J'étais correct sinon. Bon, bah, encore une défaite et on peut dégager ça éventuellement. Oh, encore des légendaires. Le problème c'est que Janna elle m'a troll la partie d'avant. J'ai pas regardé, tour de passe-passe. Ah bah ouais, faut chercher Janna, non. Elle est chiante à trouver. Je l'ai encore trouvé. Kiss me goodnight. Buena sera, señorina. Faut perdre encore un fight avant. It is time to say goodbye to Napoli. Le problème c'est que j'ai blue buff, c'est un mauvais step sur Janna. Tu te pas GG la partie d'avant, on s'est fait niquer. Après on est mieux que la partie d'avant, on va cash-in. Mais en vrai, la partie d'avant on avait à peu près ce setup là, on s'est fait fumer donc. On sait les dégâts, c'est pas mal en vrai. Le shop TF Alistar il a fait plaise. Hein. Agreed. Bon là si on perd c'est mieux, comme ça c'est fait et on peut transi quoi. Pff, en vrai ça change pas grand chose, j'ai envie de transi en 4-3 dans tous les cas. Non mais limite vaut mieux gagner. Ouais comme ça on est... Ouais on va vaut mieux gagner je pense finalement. Parce que sinon ça veut dire que je vois limite transi au prochain fight. Et ça me fait chier de transi en 4-3 et pas après le carreau. Donc en vrai il vaut mieux gagner et perdre le prochain. Comme ça ouais. Comme ça je chill le prochain fight ouais nickel. Comme ça je peux chillax sa mère. Même si on prend une méga mine au prochain fight on s'en fout. Salut Yasminou. On est très bien. Bon écoutez j'ai envie d'aller faire pipi. Si vous me permettez, je reviens. Me dépêche pour ne pas rater le carrousel, bien sûr, n'est-ce pas?
Ah oui, je me suis fait péter la gueule comme prévu quoi. Je l'avais annoncé et ça n'a pas manqué quoi. Bon, il me faudrait une bague. Ah, c'est des systèmes de Horn avec. C'est la forge de Horn celle qui brille, non? Ou non, c'est le système complet celle-là. Celle de Horn elle est plus grosse, je crois. Mais c'est un item complet dedans, je pense. Dégagez de ma baguette! Est-ce votre ultime bafouille? Très bien. Les poubelles françaises brûlent et Tank est sur TFT, moi pas comprendre. Écoutez, je pense que brûler les poubelles est un moyen de pouvoir au moins faire disparaître les tas d'ordures à Paris, donc c'est presque un geste républicain. Oh putain, non, non, mais what? Bon bah c'est perdu hein. Unlucky, hein. Franchement, Deathblade et les Gold c'était mieux du coup. Parce qu'en fait, y'a pas. Ils abusent pas les tarifs forgés avec quand même, c'est des enfoirés. Non mais est-ce qu'on peut dire que c'est des gigas enfoirés? On est d'accord, non? Excusez-moi de dire les termes, mais. Ici, c'est un stream où on dit les choses, ici, vous savez. C'est un stream où on dit les choses. Ah, encore, ouais, encore un fidèle le prochain shop? Évidemment, il n'y a aucun perso AD dans ma team, bien sûr. Absolument, vous pouvez vous abonner, les amis, au sub goal des 800. Je vais en manif brûler des poubelles, moi aussi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, je mets deux runans sur Fiora 1. Envie de crever. Attends, je vais pas les mettre maintenant. Attends, je vais être un seul et l'autre, je vais attendre de voir s'il y a un reforge quand même. Même si elle était 2, j'aurais quand même envie de. Même si elle était 3, j'aurais quand même envie de crever avec les deux runans pour vous dire. Bon, par contre, le reste de la compo est très sympa. Donc c'est vraiment dommage, j'ai l'impression de m'être fait troll quoi. Non mais il y aurait eu un runan. Et genre une Deathblade qui aurait été super nulle aussi. Tu vois, j'aurais dit, bon bah pas de chance, mais ok, mais là, deux runans. Deux runans. Par deux runans. Oh putain. Est-ce que la roue tourne la tournée par rapport à la game d'avant? Alors je rappelle que Runan Shojin ne marche plus depuis 3 ans à peu près. Si jamais alors, quelqu'un me dise Runan Shojin Tank et tout, ça ne marche plus. Environ 3 ans. Voilà. J'avoue que si on peut avoir un petit coup de main de Sarko là en vrai, tout serait pardonné pour le Reforge. Runan Shojin Tank et tout. Allez, un petit Reforge là. On n'est pas les animaux ici. Animal Crossing. Waouh, j'ai un spell crit pour Janna. Not bad hein. Et là, je pense qu'on peut mettre Archange sur Nico en vrai. Et bah écoutez, c'est formidable. On s'est bien fait baiser dans les grandes lardeurs. Les lardeurs. Nunu, bah ta mère. Encore ta mère. D'accord. Alors pour avoir TF2, Nico 2, ça se passe comment? Du coup il faut écrire une lettre au PR. Comment ça se passe? Parce que là j'ai quand même beaucoup de PR là. Et encore j'ai Nico 1 encore. Non mais en principe si Fiora pouvait passer 2, franchement je serais quand même content que. C'est vraiment une question de principe les amis là pour le coup. Ouais elle a fait mal la Miss Fortune putain. Ouf, ça va ça passe mais elle a fait mal, je le sens. Ah ouais. Ah! En voilà une bonne nouvelle. Encore des paires. Toujours des paires. Des paires à perte de vue. Ça trois temps. Qui s'offre encore le temps. Qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 100 ans. J'ai oublié les 20 ans, pardon.
C'est un peu la dégâts de Fiora quand même. Putain, j'ai pas regardé, c'est vrai ça. Oh, ça dégoûte quand même, hein, je peux vous mentir. Encore elle aurait Titan en 3ème item ou Deathblade. Mais bon, là elle a Égide. Oh, putain, Janna a tué tout le monde ou. Ah, mais oui, Janna a tué tout le monde, mais Vatim est morte entre temps. Putain, fuck. Ça s'est joué à rien quoi. Oh la vache. Attends, mais il a deux spat ace lui. Et il a aussi l'augment de Janna dégâts brut. Ah non, c'est la tempête du siècle lui, c'est pas la même. Une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure. C'est vrai que je peux mettre Fiora là pour les dégâts. En effet. En effet. C'est l'augment de dégâts. Rrr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 
Faudrait qu'un des deux TF crève. Bon, j'ai tagué un des deux TF. Bon, c'est le Ezreal. Mais il a Ezreal 1. Non, il a. Attendez, pourquoi il a. Attendez. Pourquoi il a. Pourquoi. Ah, d'accord, les deux cas sont en bas, je pense. Attends, what? Pourquoi il a autant d'Ezreal? Oh putain, au secours. Au secours. Oh, c'est l'angoisse. Oh, c'est l'angoisse, les Ezreal. Oh, je l'ai battu. Ok, c'était les. Putain, bah, c'était Messi en même temps, il s'entraîne plus. Hein. Yannick augmente pas encore plus les gadgets là. Nope, j'ai déjà un statique. C'est fait double emploi. Bon, ça éviterait qu'il se fasse OS au moins, ce trou duc. Oui, ça a l'air de le faire. Faut pas qu'il fasse Warwick 3, quoi. Ce serait la problématique quand même. Warwick 3, c'est pas un truc que je gère quand même. J'aurais peut-être dû en acheter. Je sais pas si j'en ai vu sur le chemin d'ailleurs, mais bon. Très important le top 1 là. Allez, là faut qu'on lui mette une torgnole dans sa gueule à lui là. Ah merde, il a Shrew de la Janna. Ça elle va pas kiffer ça. Parce que c'est un perso qui a beaucoup de mana, Janna. Allez, la tornade qui est partie. Elle est sur le Warwick, c'est bon. Oh, elle a touché toute la team adverse la tornade. Oh, c'est fort bordel quoi. Bon, après, elle augmente dégâts bruts. Tu prends n'importe quel jeu vidéo, tu lui rajoutes des dégâts bruts. Et le jeu devient. devient vénère quoi. Enfin, ça devient broken quoi. Je suis en train de roll pour acheter les Warwick là actuellement, justement. Bon, j'en ai acheté deux. Il lui en manque deux. Il lui en manque un. Ok, il l'a pas. Feels good. Merde, là je vais prendre un vilain Shrew là, je crois, non? Non, il a pas bougé, nice. Pris des risques, mais. Tornade de Janna. Non, ça va, elle part dans le gros pack, c'est bon, tout va bien. C'est bon, ça hit. Allez, le deuxième top 1 avec la compo, les amis. Ou pas? Si ça va. Ta 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 ta.